Sur ton ardoise, écris le nombre de points que contient cette barre. Sur ton ardoise, écris le nombre de points que contient cette barre. Sur ton ardoise, écris le nombre de points que tu vois. J'ai 10 barres de 10 points, ce qui me donne 10 fois 10 points, c'est-à-dire 100 points. Ce carré contient donc 100 points. Sur ton ardoise, écris le nombre de points que tu vois. Il y a 99 points parce que j'ai 100 points moins 1 point. Sur ton ardoise, écris le nombre de points que tu vois. Il y a donc 90 points. Deux méthodes possibles. Je vois 9 colonnes de type point, donc 90 points. Deuxième méthode possible, j'ai 100 points moins 10 points, ce qui me donne 90 points. Combien y a-t-il de cases vides? Combien y a-t-il de points en tout? Il y a 2 fois 100, c'est-à-dire 200 points. Combien y a-t-il de points en tout? Il y a 1000 points. Je vois 10 fois 100 points, ce qui me donne 1000 points. Combien y a-t-il de points en tout? Il y a 900 points. J'ai 1000 points moins 100 points, ce qui me donne 900 points. Je peux voir aussi 9 fois 100 points, c'est-à-dire 900 points.
Combien y a-t-il de points en tout? Il y a 999 points. Pourquoi? Parce que j'ai 1000 points moins un point. Il me reste donc 999 points. Je pouvais voir aussi 900 points et mon dernier carré n'était pas au complet. Il y avait 99 points. C'est-à-dire donc 900 plus 99, 999 points. Combien y a-t-il de points en tout? Il y a 990 points. On peut le voir de deux manières. 1000 points moins 10 points, ou alors 900 points. Et 90 points. À chaque fois, ça me donne 990 points. Combien y a-t-il de points? Il y a donc bien 10 000 points. Alors pourquoi? Je peux considérer chaque ligne. Chaque ligne comporte 1000 points. Et comme j'ai 10 lignes, ça me fait donc 10 fois 1000, 10 000 points. Mais je peux le voir aussi autrement. Je vais essayer de chercher combien j'ai de cases. J'ai 10 lignes, 10 colonnes, j'ai donc 100 cases. Et chaque case comporte 100 points. Donc 100 fois 100 me donne 10 000.